Et lui les gens, bienvenue sur frappe-jeu.fr ou sur mon blog it103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu. Du coup, ben tout simplement, Fallout 76. Hop là. Tac, tac, tac. Je me dépêche parce qu'en fait, en 1h30, on est censé passer sur... Tiens, il y a Kawan qui est en ligne. Kawan qui est un deuxième compte de Rastapay, je crois. Et salut la patate de Chacha, Diacopolis. Attends, à qui j'ai pas dit bonjour? Donc, coucou Disquequette, coucou Mordicus, coucou... Steken, Scorail Rouge, Fansoft, Frezouille, Black Galaxy, Useinak, donc le Bourlingueur, et merci encore pour le raid. Coucou Lila Roche, coucou Kawina, coucou Dakan, coucou Isa Mizaki. Donc coucou et merci pour le follow, la patate de Chacha. Et Alexandra Team Fiacopolis, coucou aussi. J'espère que tout s'est bien passé. Tu sais que par ta voix de faute, là, j'ai écouté. Oh! Oh, c'était dommage, ça. J'aurais bien gardé un peu plus longtemps. Tu vois, il y a une ambiance violette. Je pense qu'il y a un orage de radiation. C'est pour ça que c'était tout violet. Tu as d'ailleurs un éclairage violet. J'aime bien l'éclairage violet. Je vous présente ma base sur Fallout 76. Et gentil. C'est gentil, pardon. Merci. C'est gentil de dire bonjour au moins. Désolé, hein, j'ai le cerveau en compote depuis quelques temps. Trop de retard sur le sommeil et tout. Donc, il faut que je fasse ces quêtes, là. Halloween, tue les calcinés effrayants. C'est pas grave, si on les fait pas toutes, on va essayer d'en faire un maximum. Tue une créature, 12. Termine d'opération quotidienne. Oh, préparer un repas à base de plantes ou de champignons. Faut servir dans les salades. Estropie l'adversaire. Et récolter une plante sauvage ou un champignon. Elles vont être chiantes les quêtes aujourd'hui en fait. Je pensais que ça allait être super rapide. Mais on va essayer de faire ça comme ça. Il me semble, ouais, mais les sons étaient très très beaux sur le jeu de DuckTales, NES. Hop là! Et donc voilà, on va un petit peu tous les jours sur PropNet et Fallout 76. Et Fallout 76, tous les jours, je viens faire mes quêtes quotidiennes. Donc là, on a moins d'un quart d'heure pour tout faire. À mon avis, ça va être beaucoup trop court. Peut-être que je vais être un peu en retard, du coup, bonjour! On m'a dit qu'il fallait que j'extropie des gens, ça te dérange pas. Voilà. Ah. Chaque chose en son temps, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Mais non, mais reviens. Faut juste que je te tue, tout va bien se passer. Je suis sûr que tu vas apprécier ça, toi aussi, mais... Brise des pattes et je suis numéro 1. Mais j'ai pas tout suivi à ça. MV, je le connais que depuis qu'on me l'a présenté sur... qu'on me l'a montré sur le speedrun de Mario Odyssey. On a dit quoi là sur le fait qu'il fallait se calmer? Ah, ça c'est bon. Et je suis encore en surpoids, comme d'hab. Le générique d'Herman. Il a enfin quitté le réacteur. Herman, Herman. Il vaut des millions. En sub et en don. Herman, whoop, abadabadam. Chaque chose en son temps. Moins en moins de vie quand même là. Essaye, ça c'est fait. Stevens qui a arrêté son stream. Un DM à faire bon courage pour les devoirs du coup. DM, on est d'accord que c'est devoir maison. Hein. Je suis pas fou. Bon courage, du coup. Bon bisous. Et à la prochaine. Et donc, encore une fois, merci. Bon lingueur. J'ai froid aux mains. Du coup, j'utilise la technique de les mains sous les fesses pour essayer de chauffer un peu, mais...
encore une fois, ceci était une information factuelle. C'était pas une plainte, ok? J'aime quand il fait froid. Mais c'est donc pour ça que je joue mal depuis le début à Super Mario 64. C'est uniquement parce que ben, j'ai les mains froides. Du coup, mon temps de réaction est plus important. C'est pour ça qu'on congèle les enfants. Pour Frodon. Comme on dit, enfant agité, enfant congelé, enfant calmé. Et tu tombes bien là-dessus, Taguette. Laissez faire les professionnels, s'il vous plaît, par contre. Hein. C'est une action qui est très dangereuse. C'est mal préparé, c'est comme les recettes, c'est dégueulasse. Écoute, Yves, comment ça va? Yves, Dave, The Rastaman. Coucou. Très bon conseil, j'essaierai. Ah, est-ce que t'as le permis pour ça? Attention. Hein. Déjà, il faut le congélateur prévu à cet effet, le permis prévu à cet effet. Si vous faites ça en dehors de ces situations bien précises, vous risquez d'avoir des soucis. Tout un art de savoir congeler. Lord Zagos, bonne nuit. Je me dis qu'il y a toujours moyen de se faire strike et de se faire ban par Twitch pour ce genre de bêtises, mais bon. Ça, il faudra un petit message qui apparaît à chaque fois qu'on fait ce genre de blague. Attention, les propos du Seigneur ne sont pas à prendre au sérieux. Bonjour. Voilà. Attends, elle est où la sortie par là? Y'a pas de sortie? Là, il faudra que j'aille vider mon inventaire, ça serait bien. Yuke, c'est une commande second degré, c'est vrai? Bon, après, comme diraient certains, le second degré n'excuse pas tout, mais... Quand même. Bah en fait, scientifiquement, ça pourrait fonctionner. Tu vois, parce que c'est connu qu'en environnement chaleureux, enfin avec de la chaleur, de température élevée, les molécules se déplacent plus vite. Du coup, c'est pour ça que tout s'abîme plus vite. Mais quand il fait froid, les molécules se déplacent plus lentement, ou du moins elles font leurs actions plus lentement. C'est pas qu'elles se déplacent, c'est très très mal expliqué. Mais en gros, plus il fait froid, plus on est lent. Plus il fait chaud, plus on est rapide. Du coup, enfin ça dépend, parce que pour l'être humain, plus il fait chaud, plus t'es amorphe. Mais en gros, c'est ça. Du coup, techniquement, si un enfant est agité et qu'on le met au congélateur, ça le calme. Scientifiquement prouvé. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas. Peut-être qu'il faut juste le priver de Wi-Fi, de TikTok. Pardon. C'était mal fait, ça. C'est pas bien dit. Bah, Xavier Dong, elle existe toujours. Il a même une deuxième chaîne Twitch qui s'appelle Xavier Dong. Quand il fait de la musique, quelquefois, il va dessus. Ça dépend des jours. Je veux pas tuer des gens, jamais. Ça dépend dans quoi? Dans un jeu, ça me va, j'aime bien. Attends, mais j'ai encore trop d'inventaire là, comment ça se fait? 320, 320. Donc si techniquement, j'ouvre ceci, les sacs à bonbons effrayants. Ça y est, je ne suis plus surchargé. Ouais, c'est elle est ici là. Il est. Il fait... Putain, c'est déjà 1h18. Tu pris deux chargeurs, tu vas rigoler. Je trouve pas ça drôle à proprement parler en fait. Quand même, c'est triste. Mais si jamais on devrait rigoler des difficultés d'un enfant là-dessus, quoi. Déjà devoir en arriver là, de faire une privation, de mettre une punition, je trouve ça triste en fait. Ça doit vraiment t'arracher le cœur quand t'as des gosses et que tu dois les punir les premières fois là. Ça doit être tellement à contre-cœur, t'as pas envie. Déjà nous quand on punit notre chat, on est triste. Tu vois? Quand on interdit au chat de faire un truc et qu'après il nous fait la gueule et qu'il est tout triste et tout penaud et machin. Alors on le tape pas ou quoi que ce soit, mais tu vois, on lui met des punitions. Hein, on mange jamais sur la nourriture. Mais genre, il va pas avoir le droit de quitter une zone, ou ce genre de choses, sauf pour aller aux toilettes, bien sûr. Et après, on hausse le ton, il sait. Quand on hausse le ton. Mais punaise. Le fournisseur n'est pas responsable de votre
Oh. Mais je crois que j'en ai déjà un comme ça. Quand on le congèle pour le punir. Moi, j'ai pas le matériel à la maison pour congeler les choses comme ça, donc... Donc tant pis pour moi, hein. C'est moi que vous regardez. Et si vous m'achetiez plus... Il faudra que je redémarre mon PC à un moment donné, parce qu'il y a des petits lags de temps en temps. Alors, je crois que j'avais perdu aussi des armures. Faut que je me dépêche, il est 1h20. J'aurai jamais le temps de tout terminer. Armure, tu vois, il y a plein de trucs qui sont en train de trépasser là. L'avantage, c'est que j'ai pas de façon de congélateur avec une porte avec des vitres dessus. Donc, même s'il fait la tête, même s'il est un peu triste, ce genre de choses, normalement, c'est bon, je verrai rien. Reste à paille. J'ai vu que t'étais connecté sur ce serveur. Et coucou Mage aussi. À qui j'ai pas dit bonjour, donc Taguette encore une fois. Merci beaucoup pour le raid. Royal, Exterminateur, Bastos Panda, Reste à paille. Normalement, c'est bon, j'ai raté personne. T'aurais 2 de 4 ans. Des chats ou des enfants? Du coup, j'ai raté les messages encore. J'apprends l'électricité aux enfants. Avec des chaises ou... Ouais. Il n'y a pas de boutique par ici, là ? Si, parce que j'ai vu qu'il avait beaucoup beaucoup de plans, je vais juste voir s'il y a des plans que j'ai pas, en termes de déco. Des trucs étranges que j'ai eu mon plaisir de rencontrer. Ouais. Le truc de déco, je les ai déjà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le truc de déco. C'est là. Ensuite, celui-là, on vient de le faire. Là, il y a notre base, parfait, oui. Je sais pas si j'arriverai à trouver assez de base pour faire les choses correctement. Mais du coup, t'es sérieux, reste à payer, j'imagine. T'apprends l'électricité aux enfants. T'es professeur ? Ou alors, c'est juste une blague pour dire que tu les tiens au courant. Je suis horrible. Comme vous pouvez le voir aux muscles tendus de votre petit camarade Timmy, hein, l'électricité a tendance à déclencher une contraction de la musculature. J'ai la fibre du formateur agréé. De même, en observant bien, vous pouvez remarquer qu'en envoyant un fort courant électrique dans la tête, vous pouvez réussir à avoir des conséquences. Comme vous pouvez le voir, cette personne bave. Tintintin. Pardon, c'est horrible.
Tu vas dire qu'il y a des tas de gens qui ont fait des tonnes de tests pour réussir à faire baver les animaux sur commande avec le son d'une cloche, alors qu'il suffisait d'envoyer une petite décharge électrique. Et ils frisent ! Waouh ! Oh, c'est horrible. Attends, tu es en train de me dire qu'il va me manquer juste une maison pour finir ma quête ? Enfin, on était où là déjà ? Défi. Quotidien. Oh, il y aura trop de quêtes quotidiennes, j'aurai pas le temps de toutes les finir. Tant pis, on fera pas tout aujourd'hui. Parce que la récolter une plante chevasse ou un champignon, ou alors faudrait que j'aille dans une ferme. Parce que je peux pas ramasser des trucs dans ma propre base. Eh bien, mais non, le principe des bonbons Halloween, c'est que vous en donniez, pas que vous vous serviez dedans. Enfin, si, du coup. À 2h30, on va jusqu'à 1h30 à peu près environ, je vais sûrement être un peu en retard, après on part sur du prop night pour jouer avec Tamolessi et Eb, et ensuite j'irai réveiller Chéri à 2h15, et une fois Chéri réveillé, je pense que je reviendrai sur le prop night un tout petit peu, et après on verra, voilà. Mais c'est ma faute, j'étais bien Super Mario 64, du coup j'ai mis du temps à quitter le jeu. Ouais. Il reste 4 minutes, c'est clair, je terminerai pas, mais après, comme j'ai déjà terminé le tableau, c'est pas grave si je fais pas absolument toutes mes quêtes maintenant, tu vois. Oh, mais quel est ce chant mélodieux et doux que j'entends ? Bon, il y en a deux. Pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mais encore deux, je crois. Mais de mort lente. Ils chantèrent en écho les uns des autres. Au-dessus, en dessous. Oh, ça fait un ding. Pardon. Ah, je sais que t'es là-haut, non? Pardon. Je le vois pas. C'est qui me tient dessus là? Il est où? Tiens. Là-haut. T'inquiète pas, monsieur le clown. Il est pas facile à viser d'ici. Voilà. J'ai eu tout ce qu'il me fallait. Et je suis encore ralenti. Merci. Non, je vais arriver. Peut-être un tout petit peu en retard, mais je vais arriver. C'est juste que je voulais essayer de faire un maximum de quêtes, mais comme j'ai démarré super tard, ça fait 19 minutes que j'ai démarré la session. De Fallout. Et je voulais la faire avant de... Oh, j'ai détruit mon masque d'Halloween, mais je crois que j'en avais déjà un autre, c'est pas grave. Je suis encore en surpoids. Qu'est-ce que c'est qui me prend autant de place? Oh, puis zut. On jette ça, ça fait un petit peu de place, voilà. Ensuite, parce que c'est des trucs que je peux pas crafter apparemment. Qu'est-ce qui me restait comme quête à faire? Défi. Il me faudrait une dernière base dans laquelle je pourrais... On termine l'opération quotidienne, on va essayer de la relancer.
Ça peut être fait. Donc, je termine ces deux quêtes environ. Attends, domaine. Je sais qu'il y a un domaine, une ferme avec énormément de ressources. Oh, ça pourrait être là, je sais plus où c'est. Et... Eh, ça, c'est pas une mauvaise idée, ça, Eb. Yes, voilà. Commence à prendre de l'avant, j'arrive après. Le temps de terminer encore deux ou trois options. Et je suis là. Est-ce que c'était là qu'il y avait des trucs intéressants ou pas? Tout a déjà été ramassé là ou quoi? Je me souviens plus d'où sont les objets à ramasser. Quelle ferme que j'ai ramassé les tas de trucs. Et après, il y a les fermes de là-haut, mais... ferme commerciale, je crois qu'il y a pas mal de choses à ramasser dans la ferme commerciale. J'ai plus de bretzel. T'es là, les chiens, la plein lune. Ça me reste en tête, hein. Et coucou, Len Vega. Continuez votre route. Voilà. On retourne à la base. Et bon l'heure du coup, Pris. Merci beaucoup d'être là. Voyez ça. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ça me paraît bizarre, cette histoire. Mais qu'est-ce que je voulais faire? La bouffe, mais avant il va me falloir de l'eau bouillie. Qui me demande de faire 5 aliments. Donc ça veut dire qu'il me faut au moins 5 trucs de plat. On va savoir ce que je vais faire. Dans quoi les trucs de nucléaire là? Boîte en sandwich, je garde. Steam pack, j'en ai beaucoup trop. Je suis de nouveau en surpoil encore. J'ai oublié ces cauchemars. Oui. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi? Parce que. Hop là. Du, 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 du. Du, 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 du.
Et voilà, ça c'est mission accomplie aussi. Il me reste à construire le truc dans un abri. On aura tout fait au final quasiment. À part les quêtes d'Halloween. Très bonne question, Manu NK, je n'en ai aucune idée. Ils l'appellent pas. Parce qu'ils ont pas envie de le voir chez eux. C'est horrible. Pauvre enfant. Heureusement que j'en ai pas. Pas compris. C'est une blague en verlan. Une nouvelle quête d'accomplie, une. Maintenant, il faudrait que je trouve une dernière maison, une dernière zone qui aurait des ressources de type bestiole, enfin de trucs comme ça. Je mouche, hein, c'est pour ça que j'arrive. C'est bien gentil cette histoire là, mais après avoir éternué, on est censé se moucher. C'est la règle. Yes, encore des points. Alors, J, on a un nouveau venu ? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Sympa ça. Et donc, merci beaucoup, Kitsakos Game. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Hop là! Il aurait juste fallu que quelqu'un, c'est bizarre la maison, vienne choper un truc dans ma base pour récupérer un petit bonbon là, et on aurait fini. Mais bon, du coup, on va peut-être pas attendre que quelqu'un arrive. Hein. Il a 186 plans. Là, si on regarde, des films, quotidien, il me reste que ça. On a fini tout le reste, finalement. Ça nous aura pris 28 minutes, comme d'habitude, à peu de choses près. Déjà beaucoup trop. On est au niveau 143 sur 100, il reste encore toute la fin du mois de novembre. Celui-là, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, là. Et je m'en fous, j'ai trouvé la recette de Monsieur Fémur, ça me va. La seule chose qui pouvait réellement me manquer... Dreka, faut laisser tranquille, Dreka. Ok. Tout ce qu'il a fait la 3D en ce moment. 12 000 le baril radioactif, sérieux? Ouh, ça sent très fort quelqu'un qui abuse sur les prix, ça. Désolé, vous abusez sur les prix, monsieur. Pas pour retourner dans la base, on arrête ici. De quoi que je veux? Tapis d'ours? Moi, tous les plans que j'ai pas, je les veux. Mais s'il a le tapis d'ours... Est-il achetable? Ah, mais c'est toi!
C'est toi qui abuses comme ça sur les prix, mais t'as pas honte? Mais on est là pour s'entraîner. Regarde, mes prix, je divise tous par 10. Même si c'est rare. Regarde. C'est du tout petit prix. Faut pas juger. À l'époque, ça se vendait 20K. J'ai vu des gens avec des prix à 30 000, là. C'est abusé. Ça coûte trop cher. Après, s'il y a des gens qui sont là pour acheter, tant mieux pour toi. Mais c'est trop cher. Moi, j'aime pas. Je devrais avoir honte. Bravo. Et il est parti, l'Osprad, ou pas? C'est ça, la question. Est-ce que quelqu'un l'a acheté? Mais du coup, ouais, j'ai vu des tarifs 40 000 pour des trucs à droite, à gauche. Bah, 30 000 ou 40 000, je sais plus, c'est 30 000 ou 40 000 le maximum. Non, non. Faut pas rester à paille. Surtout pas. Pas encore parti. Voilà, faut que je quitte là. Faut que j'aille rejoindre les camarades. Mais comme ils ont lancé une partie, normalement j'ai du temps. Le max c'est 40K. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Je n'arrive pas à oublier ces cauchemars. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi? Chanananana. C'est quoi l'air? J'ai pas le bon air, je crois. Parce que je connais le shabadabada, shabadabada. Du-du-du-du. Ouais, non, je sais pas. Je me dis que ma boutique, j'ai pas envie qu'elle soit chère. J'ai envie que les gens débarquent et puissent acheter quasiment n'importe quoi. Vous êtes trop cher pour moi, monsieur Rastapay. Du coup, on va couper la rediffusion. Et on va aller sur Prop Night. Je sais pas où est-ce qu'on où en seront les camarades. J'ai froid aux mains. Parce qu'il est déjà 1h42, il va falloir que je coupe dans une demi-heure. Donc on va voir, ça laisse le temps d'en faire une petite partie, je pense. Du coup, des bisous, à tout de suite, je reviens. On va couper la rediff et à tout de suite. Alors, on aura le temps de faire toutes les missions, sauf une. Et voilà, comme ça c'est fait. C'est déjà pas si mal. Et des bisous, à tout de suite. Je reviens. J'arrive. Pum 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 p